Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de beignets très très rapide avec très peu d'ingrédients. Bien sûr, on aura besoin de la farine de blé et de yaourt nature, sans sucre ajouté. Et on aura aussi besoin de lait concentré sucré et de levure chimique. C'est tout ce dont on aura besoin. Alors pour commencer, je vais utiliser une cuillère à café de levure chimique que je vais rajouter à la farine. Et je vais aussi rajouter le lait concentré sucré à mon yaourt. Donc après l'ajout du lait, je vais venir faire le mélange avant de rajouter la farine. J'ai oublié de le préciser, à la farine, j'ai aussi rajouté une pincée de sel. Alors dans votre yaourt associé au lait, vous pouvez rajouter de l'arôme vanille ou de l'arôme de fraise. Vous pouvez ajouter l'arôme de votre choix. Arôme de fleurs d'oranger, ce que vous voulez pour parfumer votre pâte à beignets. Une fois le mélange bien fait, je viens maintenant rajouter le mélange farine et levure chimique. Alors je précise, ce n'est pas de la levure boulangère qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire les beignets. C'est plutôt la levure chimique qu'on utilise pour faire les gâteaux, les cakes. Donc à l'aide du fouet, je vais juste mélanger la pâte. C'est tout ce qu'il y a à faire, juste mélanger, jusqu'à avoir une pâte homogène et c'est tout. On passe directement à la friture. Pas besoin de temps de repos, pas besoin de couvrir pour laisser reposer dans un endroit. On passe directement à la friture. Donc je vous montre comment la pâte est devenue bien lisse. Ça m'a pris au moins 5 minutes. Pour obtenir cette belle texture-là, je vais maintenant passer à la friture. Pour les quantités, j'ai utilisé 250 ml de yaourt nature et 250 g de farine. Pour le lait concentré sucré, vous pouvez commencer avec 100 g et vous, au fur et à mesure que vous faites votre mélange, vous goûtez. Si vous aimez vos beignets super, super sucrés, vous pouvez encore rajouter 50 g ou 60 g. Voilà, c'est à votre goût. Et j'oubliais pour le yaourt, c'est pas obligé de prendre de yaourt nature. Vous pouvez prendre un yaourt aromatisé. Par exemple, yaourt à la fraise, yaourt à l'ananas. Bon, les amis, la recette est terminée. Venons la causer un peu. Je vous ai expliqué comment c'est doux, quoi. Essayez la recette sûrement. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Bye!